Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une émission un petit peu spéciale aujourd'hui parce qu'on a la chance d'avoir un invité puisque c'est Stéphane Hollot, le nouveau manager général de la Lotto Destiny qui va nous accompagner. Salut Stéphane, bienvenue à toi. Bonjour, bonjour à tous. Alors salut à tous sur le chat, le temps que je change d'écran, salut à Dyson, salut à iBecome Agency, Stantry, je vois Seb, je vois Biotime également, Stéréo, etc. etc. Bienvenue les gars et surtout bienvenue à Stéphane. Stéphane, si tu le veux bien, on peut peut-être commencer d'abord par présenter un petit peu ton parcours pour ceux qui seraient les plus jeunes entre guillemets qui ne connaîtraient pas ton parcours sportif. Tu nous entends, Stéphane? Tu m'entends? Ah, ça a bugué, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que tu nous entends, Stéphane? Ah, petit bug de début d'émission. Mettre un message sur WhatsApp, comme vous le voyez, c'est en direct comme ça. Ça marchait très bien juste avant l'émission. Hop là. Ah, est-ce que tu es revenu, Stéphane? Je suis revenu, Stéphane. Non, j'entendais bien, moi. Ah, c'est bizarre, moi, c'est pas très grave. Ah, c'est bizarre, moi. Ouais, par contre, je te rentends en écho, c'est bizarre, ça. Ouais, c'est bizarre. Ouais, bah là, je t'ai bien, donc c'est plutôt parfait. Donc oui, je disais, Stéphane, si tu peux te présenter rapidement à tous ceux qui ne te connaîtraient pas, en tout cas sur le plan sportif en tant que coureur déjà. Oui, j'ai été coureur cycliste professionnel de 1992 à fin 2002. Suite à ça, j'ai donc développé un centre de formation près de Rennes, à Noël-Châtillon-sur-Sèche, qui existe toujours puisqu'il est sous l'appellation Soja Son Espoir. Et donc j'ai de ce centre de formation, on a créé une équipe professionnelle sans occulter la formation. C'était un étage supplémentaire. Entre 2009 et fin 2013, avec une participation au Tour de France à trois reprises. Et puis, suite à ça, à la fin de l'équipe, faute de copartenaires, j'ai pu travailler chez Cannondale en tant que Cannondale professionnel cycling, qui était à l'époque en World Tour, comme directeur de la performance. Et depuis donc fin de l'année, je suis nouveau team manager de l'équipe Lotto Destiny. Alors justement, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé avec Lotto Destiny, parce que tu avais été chez Soja Son, tu avais dirigé Soja Son, ensuite il y a eu l'aventure avec Rally Cycling, et puis tu te retrouves propulsé comme ça chez Lotto. Est-ce que c'est toi qui as postulé, ou est-ce que c'est venu un petit peu comme ça par hasard? Bah, je dirais que c'est un concours de circonstances qui a fait que
J'ai un voisin qui lui-même est impliqué dans le cyclisme auprès d'une autre équipe en tant que sponsor et qui m'a évoqué justement le départ de Johnny Lang. Ça devait être en septembre ou début octobre de l'année passée et qui m'a dit que voilà, c'était une place pour moi, et alors que moi j'étais déjà, j'étais vraiment dans mon activité de coach d'entreprise, donc j'avais pas forcément l'idée ou l'envie, en tout cas, de me porter candidat sur un tel sujet. Et puis d'abord, je lui ai répondu, je suis pas belge, donc j'ai aucune chance, et il m'a dit non, 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 mais bon. Il dit, je vois ça. Et puis j'ai reçu donc une sollicitation par rapport au profil qui pouvait être intéressant, en me demandant si je voulais bien rentrer dans le process de recrutement. Donc ce que j'ai accepté, donc j'ai dû apprendre ça, c'était, je participais en tant que directeur sportif avec Soja Son Espoir sur le Paris Tour Espoir, donc au mois d'octobre, et c'est la semaine qui a précédé que les premiers entretiens ont eu lieu. Ça a duré très longtemps, jusqu'à ce que je l'apprenne, où je signe mon contrat le 23 décembre 2023. Est-ce que tu as hésité à rejoindre l'auto? Est-ce qu'il y a eu des freins à un moment ou pas? Non, j'ai pas. À partir du moment où j'ai accepté de rentrer dans le process, c'était aussi une forme de curiosité, parce que on sait tous que aujourd'hui, être manager, pour beaucoup de cas, c'est une autopromulgation, hein, quelqu'un qui a trouvé un partenaire et qui développe son propre business. C'est avant tout une activité de commercial, j'ai envie de dire, ou de vendeur de projet, qui fait qu'on devient team manager. Là, le fait de passer par un système de recrutement, un procédé de recrutement de chasseur de tête qui n'a pas forcément vocation à être extrêmement pointu dans l'aspect vélo, en tout cas pour le domaine qui nous concerne, c'était quelque chose de super, super intéressant, parce que forcément ça nous pousse un peu dans des retranchements, dans des réflexions qu'on n'a pas forcément justement dans le statut que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est vrai que ça demandait forcément déjà la maîtrise minimum d'être bilingue, c'est des connaissances financières, des connaissances juridiques, sociales, qui n'ont pas forcément été simples pour moi, même si ça fait 10 ans que je vis ici en Flandre. C'est vrai que je maîtrise mieux le système français. Mais ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé là-dessus. Et le fait d'être sorti élu à ce poste après tout cela, c'est quand même très intéressant, même si j'ai débuté dans un poste avec un lourd héritage. Donc je ne connaissais pas précisément, au moment où j'ai intégré l'équipe, beaucoup de personnes, en fait. Donc c'était à moi de m'adapter dans un premier temps, écouter, observer ce que j'ai fait. Et je me suis donné vraiment, on dit toujours que c'est les 100 premiers jours qui comptent, mais c'est vrai que ça a été un long chemin de compréhension pour que je puisse apporter quelque chose qui me corresponde, et qui corresponde aussi à la vision que j'avais partagée avec les membres de l'équipe, qui est déjà un système un peu atypique, puisque c'est une société coopérative. On a des actionnaires, on a des actionnaires fans, on va dire, hein, ça s'appelle Captain of Cycling, et chaque personne donc rentre dans cette coopérative et a un pouvoir, pas de décision forcément, mais qui c'est une construction, on va dire, juridique, et qui est aussi atypique. Si tu veux bien, Stéphane, j'aimerais bien revenir un peu sur la chronologie de ton arrivée chez Lotto. Tout d'abord, l'annonce de la signature. Est-ce que sincèrement, tu t'attendais à une telle tempête médiatique, enfin tempête dans le bon sens du terme, hein, j'entends, au moment où c'est sorti dans la presse, est-ce que tu t'attendais à être autant sollicité, ou est-ce que c'était une vraie surprise pour toi? Excuse-moi, je t'ai pas entendu, Charles. Oui, je te disais, je voudrais refaire un peu la chronologie et notamment le moment où ta signature a été officialisée, ou plutôt elle est sortie dans la presse. Est-ce que tu t'attendais à autant de tapage médiatique, ou est-ce que c'était une vraie surprise pour toi? Autant de tapage, j'ai pas vécu ça comme tel. Je lis pas beaucoup la presse, donc ça m'aide peut-être aussi, et très peu les réseaux, donc.
Non, j'étais accueilli d'une manière assez, comment dire, étonné forcément. Je dois être le premier non belge à diriger cette équipe, enfin une équipe belge. Mais ouais, c'est forcément, il y a eu beaucoup de questionnements par rapport à cela. Maintenant, encore une fois, c'est pas ça qui était le plus important. L'important maintenant, c'est qu'on atteigne nos objectifs. Mais je sais que je suis dans une phase aussi comment dire, d'évaluation par rapport à tous ces gens qui pouvaient éventuellement se poser des questions. Pour moi, c'est pas négatif, au contraire, je crois que c'est plutôt motivant. Ouais. Avant d'aller sur les questions, Stéphane, il y a un sujet qui fait l'actualité et on va pouvoir en parler. C'est les nerfs de Van Netvelt et ce contrôle anormal qui a eu lieu, je crois, en février et qui a été annoncé samedi par la Loto. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le sujet? Oui, bien sûr, il n'y a pas à se cacher derrière cela. Donc l'inerte a été contrôlée sur le. Tu m'entends là, Charles? Ouais, je t'entends. Donc l'inerte a été contrôlée sur le Tour du Haut-Var, alors qu'il participait donc à cette épreuve-là avec l'équipe de développement, puisqu'on n'avait pas aligné l'équipe Pro Team, mais on a la capacité aujourd'hui de mixer les effectifs entre la Devo et donc l'équipe Pro. Bon, il était convalescent. Déjà, il était très très touché par les allergies. Il a utilisé un spray nasal qui est autorisé sous forme d'autorisation médicale, donc ce qu'il avait, ce qu'il a déclaré, et ce qui n'a pas été aujourd'hui pris en compte. Les taux sont pas considérés comme pour nous, en tout cas à notre niveau, avec les informations que j'ai, d'une manière, on va dire. Qui serait douteuse. Donc on ne comprend pas forcément cela. Donc on attend plus d'éclaircissements par rapport à ça. Ce contrôle-là a eu lieu le 19 février. On a été averti que vendredi soir, donc 21 avril, à 19 h. Donc ça a quand même été assez long d'avoir ce genre de lettre. Ce qui n'a pas été simple. Ce qui nous concerne au niveau de la structure, il y a un soutien auprès de l'INERT par rapport aux éléments qui ont été mis à notre possession, qui ont été étudiés par nos experts, qui a été étudié par notre cellule médicale. À partir de là, on attend évidemment de plus en plus d'informations de la part de la FLD, que l'INERT sera le seul à recevoir dans un premier temps, parce qu'il n'y a que lui qui peut en faire la demande vis-à-vis de son avec son soutien juridique. Mais pour nous aujourd'hui, c'est une erreur, et il y a eu déjà des jurisprudences préalables dans le cyclisme qui ont été justement soumis à une réexamination de la situation et qui ont un avis favorable. Donc on s'attend à rapidement retrouver l'énerte avec nous, et même si aujourd'hui effectivement de le mettre au statut de non actif. C'est un respect parfait des règles du MPCC auxquelles on adhère, et aussi par rapport à notre politique de tolérance zéro vis-à-vis du dopage. Donc même si là j'ai du mal à parler de dopage, parce que forcément un spray nasal que tout le monde peut acheter en pharmacie sans prescription est autorisé, je le répète. Donc sous cette forme-là, j'entends. C'est vrai que c'est. On ne peut ne pas faire autre chose que de soutenir notre coureur à ce premier étage de la situation. Ouais, merci Stéphane du coup pour les éclaircissements. Puis maintenant, on n'a plus qu'à attendre, hein, que le process se fasse son chemin. Il y a une autre question, Stéphane, de politique générale, j'allais dire, non, mais pas du tout. Il y a une autre question générale plutôt par rapport à un imbroglio qui dure depuis vachement longtemps, et j'aimerais bien avoir ton avis ou plutôt un point de situation par rapport à ça. C'est cette fameuse photo finish du Grand Prix Montserrat. Bah, où est-ce qu'on en est tout simplement? Ben, malheureusement, on en est que à mon niveau, j'ai épuisé tous les recours possibles. Tout simplement, les moyens techniques mis en place justement pour juger l'arrivée sur cette épreuve n'étaient pas à la hauteur probablement de l'événement. C'est ni la faute de l'organisateur.
ni la faute de l'équipe, ni la faute des coureurs. Ce qu'on m'a expliqué à l'UCI, c'était évidemment une responsabilité de la fédération du pays, donc la fédération belge, et que là, il y a évidemment un problème. Donc, on a pu consulter, après de nombreuses sollicitations à une photo finish qui n'est malheureusement pas lisible et pas qui nous permet pas, en tout cas, nous, observateurs, de distinguer le vainqueur entre Caleb Ewan ou le coureur de Wanty, dans la mesure où sur la photo, il est clair que le pneu ou le boyau du vainqueur, enfin désigné, est sur un fond noir et le boyau de Caleb est sur un fond blanc. Par rapport aux panneaux publicitaires qui sont sur l'autre partie de route, puisque Caleb est à l'intérieur du sprint, à l'extérieur du sprint par rapport à la prise de photo. Et à mon sens, on tire un trait, on va dire, sur ce qu'on estime être le premier passant la ligne, et le trait était tiré sur la partie noire, donc sur la partie où on ne distingue absolument pas la différence entre cette partie noire et le boyau, le pneu du coureur d'Intermarché. Donc, par voie de conséquence, si on met beaucoup plus large, puisque c'est quand même relativement serré, on s'aperçoit vis-à-vis du trek, effectivement, on a un Caleb Ewan second, mais on s'aperçoit aussi qu'on a rajouté quasiment une jambe de 50 mm. Sur le boyau du coureur gagnant. Donc voilà, c'est aujourd'hui la situation telle qu'elle est, mais j'ai pas plus de recours que ça. Mais il était important de marquer le coup et d'avoir des explications qu'on a pu avoir mais qui ne nous satisfont pas. Mais de là à rentrer dans une procédure plus longue et plus compliquée, je pense pas que ça serve le vélo. Et encore une fois, si j'ai fait cette démarche-là, c'était surtout pour la crédibilité du cycliste, parce que si on ne peut plus se satisfaire d'une décision d'arbitrage, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus d'équité, et pour moi, ça, c'était clair. Mais ce que j'ai voulu surtout obtenir, c'est ce qui avait permis au président de jury, qui est quand même un commissaire UCI, désigné par l'UCI, donc qui est quand même sous une responsabilité de l'UCI, je voulais avoir cet élément qui lui avait permis de désigner le vainqueur. J'ai l'impression que voilà, il est bien ennuyé, pour tout dire, très ennuyé, parce que ça s'est fait un peu au doigt mouillé, et malheureusement, c'est à notre détriment. Autant la photo finish, pour ceux qui ont pu voir ce qui s'était passé sur le tour de l'UAE Tour. On n'a absolument pas à discuter. Effectivement, c'est une histoire de pixels, mais c'est clair. Un pixel, ça dénote une petite différence. Elle est en faveur de Tim Merlier qui avait gagné ce jour-là. Et ça, ça prête pas à discussion. Et je dirais que le débat est clos et il n'y a pas de souci. Pour mon serré, aujourd'hui, j'estime qu'on a été lésés. Des photos qui ont été évidemment prises par des spectateurs, par différents professionnels aussi, mais qui étaient là pour faire un reportage, montrent bien que Caleb passe cette ligne en vainqueur, sauf que ce ne sont pas des photos officielles et qu'à partir de là, on ne peut en aucun cas s'en servir pour rebattre les cartes et désigner notre vainqueur que celui qui a été désigné. Mais qu'est-ce que tu Voilà. attends maintenant, Stéphane, concrètement, plus que ton cas personnel que tu évoquais justement, mais de manière générale, est-ce que tu ne souhaites pas que tout simplement il y ait une plus grande professionnalisation, pardon, ou une plus grande rigueur dans le futur de la part de l'UCI? Ce que je dois quand même noter, c'est qu'il y a eu de l'échange avec l'UCI, contrairement à ce que je pouvais m'attendre. Souvent, ce genre de choses restaient lettre morte, ce qui n'a pas du tout été le cas, et c'est très appréciable et il faut le saluer. J'ai noté leur embarras, j'ai noté aussi évidemment leur décision d'évidemment d'être beaucoup plus vigilant à ce phénomène à l'avenir. Et ben, j'espère que ce cas-là, cette situation-là sera, on va dire, une clé pour l'avenir et qu'effectivement il y aura des quotas minimaux ou des prérequis
pour que ça ne se reproduise plus et qu'on arrive évidemment à avoir le bon vainqueur sur le podium. On va aller sur un sujet plus sympa maintenant, Stéphane, ça va être le sportif. Et là, j'imagine que tu es un manager ravi en ce moment parce que ça marche plutôt bien. On est dans le top 10, je crois, mondial pour l'Autodestiny. Et là, ça s'annonce plutôt pas trop mal, quoi. Oui, maintenant je vois toujours un peu plus loin que le bout de mon nez. Donc, si on fait un constat après les classiques flandrienne et ardennaise, on a effectivement fait un excellent parcours avec de belles réalisations. Paradoxalement, on a moins gagné cette année que ce qui a pu être fait l'année passée, mais on a performer sur des plus grands événements avec des points. Encore une fois, oui, c'est important les points par rapport aux enjeux ou en tout cas à la mission que j'ai amenée sur ce retour en World Tour. Mais ce qui me plaît aussi, c'est j'ai pu voir aussi des coureurs qui ne sont pas forcément habitués à prendre des responsabilités, les prendre, voir des jeunes. S'affirmer et confirmer un statut d'avenir très prometteur, et qui a fait qu'aujourd'hui on a quand même un panachage de qualité dans l'équipe relativement intéressant. Et même si on aurait pu faire un petit peu mieux, avec un peu plus de chance ou moins de malchance, et même si j'y crois pas trop à cela, mais la chute d'Andreas Kronier dans le final, alors qu'il nous mettait probablement encore une fois de précieux points. Dans le final de Liège-Bastogne-Liège, même chose à La Flèche où il est tombé également dans une chute collective à l'approche de la dernière montée du mur de Huy. Un peu plus de réussite dans le lead-out des sprints sur Paris-Nice avec Arnaud Delis. Moins de crevaison sur un Gant Wevelgem également, où on a perdu beaucoup de chances de faire vraiment, de jouer vraiment de belles choses, même si on était archi dominé par le duo Van Aert et Christophe Laporte. Non, globalement, oui, je suis satisfait, mais on sait aussi qu'on arrive dans une phase plus délicate pour nous parce qu'on n'a pas ce coureur capable de performer Sur les courses par étapes. pour les courses par étapes qui attribuent quand même des points précieux. Faut quand même avoir conscience que c'est pratiquement 60 000 points qui vont être redistribués sur les 3 prochains grands tours, donc c'est énorme. On n'en a que 5 000 aujourd'hui, je crois, à peine. Donc, bon, c'est un combat de tous les instants, mais c'est quelque chose que je ne souhaite pas répéter. Et je ne répète d'ailleurs depuis notre premier stage à Dénia, j'ai expliqué les règles, on a expliqué les enjeux, on a expliqué voilà, comment ça allait fonctionner. Les changements par rapport aux années précédentes, mais on n'en a jamais reparlé ensuite. J'estime que voilà, c'est ne jamais en reparler, mais y penser toujours. Bien sûr, à notre niveau staff, c'est un calcul que je fais systématiquement chaque matin ou chaque soir ou après les courses, mais c'est pas quelque chose que je veux faire, que je veux comment dire rabâcher au coureur parce que la pression, ça marche pas. Je pense que ce sont tous des garçons professionnels. Ils connaissent les enjeux. Il ne faut pas oublier qu'ils courent d'abord et avant tout pour eux-mêmes, pour construire la meilleure carrière qui leur est possible en s'intégrant dans un collectif que nous dirigeons. Donc, par contre, être dans l'échange, dans le travail commun, dans le partage des idées et des visions, ça, c'est beaucoup plus, à mon sens, beaucoup plus intéressant. Tu parlais de Denia, Stéphane. Il y a une sortie de Victor Kampenaerts dans la presse flamande. Je crois qu'il parlait d'un épisode qui serait passé à Denia lors du stage où tu aurais interdit aux coureurs de sortir parce qu'il y avait des conditions compliquées. Et ils ont semblé dire, les coureurs, que tu rigolais pas trop. Et ça me permet de m'amener une question. C'est quoi la méthode Stéphane Helleau? Du coup, qu'est-ce que tu as apporté comme changement à l'équipe ou à la manière de fonctionner, tout simplement? Cette anecdote, oui, bon, c'est pas que je leur ai interdit, c'est que encore une fois, oui, il y avait des conditions venteuses extrêmement dangereuses. D'ailleurs, la veille de ce jour-là, nous partagions l'hôtel avec l'équipe Trek et c'est Lopez qui s'est cassé la clavicule justement suite à une rafale de vent. Donc, il était évident que la sécurité prime avant tout et en échange et en
En accord avec la cellule de performance, il avait été convenu que nous retarderions le départ qui se faisait normalement à 9 h, au moment de midi ou au tout début d'après-midi, où le vent était annoncé beaucoup moins fort. Et c'était ce qui s'est passé, qu'il y a eu 3 coureurs qui ont joué les dissidents et qui souhaitaient partir plus tôt. Ils sont partis comme prévu à 9 h. Malgré le fait que les consignes avaient été données. Et c'est vrai que ben, le soir même, j'ai réuni tout le monde, staff et coureurs, et le message est passé de manière très claire que ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient quand ils étaient chez eux. Quand c'était un stage d'entraînement, il y avait un cadre à respecter, et quand on sortait de ce cadre, je montrais les dents. Voilà, ça a duré 4 minutes 15. Mais je pense que tout le monde s'en souvient, et je pense, une bonne ligne de conduite à tenir pour la suite. Il s'agit pas non plus de. Je ne suis pas quelqu'un qui dit amen à tout, et voilà, j'aime bien tracer un cadre. Tant qu'on est en haut du cadre, à droite ou à gauche, ou en bas, à droite ou à gauche, ça ne me pose aucun problème. Dès qu'on en met un pied dehors, là par contre, je suis comme je dois être, à mon sens. Ouais. Tiens, une autre question pour changer de sujet, elle concerne Arnaud Dely et je l'ai vu plusieurs fois. C'est vrai que ça préoccupe beaucoup les fans, notamment de l'équipe Lotto Destiny. Est-ce que vous allez réussir à conserver votre petite pépite? J'y travaille, hein, j'y travaille. Je pense qu'Arnaud n'a pas du tout le souhait de nous quitter. Ça repose aujourd'hui sur une vision que je lui ai partagée il y a très peu de temps, avec Kurt Vonnegut, qui est vraiment mon bras droit sur l'aspect sportif et en qui je mets toute ma confiance par son expertise, sa connaissance aussi du développement des jeunes. Il est presque, ouais, c'est un acharné de la détection et j'aime ça parce que je viens du même, je viens pas du monde pro. Je suis passé d'abord par la formation. Quand je suis revenu dans les staffs, c'est toujours par le bas, donc je connais, je pense, toutes les marches à suivre. On partage aussi des idées. On n'est pas toujours d'accord forcément sur certaines choses, mais lui là, c'est quand même cette capacité d'avoir quand même sorti aujourd'hui ce qui fait notre richesse. Les Arnaud Dely, les Maxime Van Gils, les Lennart Van Teveldt, même Frédéric Frison qui est un des plus âgés et vient de la structure de Devo, et j'en oublie forcément beaucoup. Donc pour ce qui est d'Arnaud, effectivement, c'est aujourd'hui pour nous du pain béni, hein, en termes de talent, en termes d'état d'esprit. Mais il faut encore une fois que nous soyons capables de l'accompagner vers le plus haut des sommets. Donc il ne s'agit pas non plus de le garder pour le garder, c'est vraiment de mettre les moyens, de construire avec lui l'autodestinie du futur, c'est-à-dire que c'est maintenant que ça se passe, à tout point de vue, que ce soit au niveau des ambitions qu'on peut avoir au niveau du mercato et de ce qu'on souhaite avoir comme équipe dans les 3 prochaines années. Ça passe par la performance du matériel, ça passe par toute la cellule de performance, tous les gains marginaux que nous pouvons travailler. Il y en a encore beaucoup. C'est déjà bien parti. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travail de fait par Britt Lambrecht, qui est notre nutritionniste, et qui apporte, je dirais aujourd'hui, vraiment un plus, et c'est unanime au niveau des coureurs. Mais voilà, il y a plein, plein de choses encore à faire sur les training camps en altitude, la gestion de ces stages-là. Aujourd'hui, on sait que ça marche et que c'est vraiment nécessaire. Les coureurs courent beaucoup moins. Tout ça, c'est des visions qu'on partage avec Arnaud. De l'avoir avec nous par rapport à ce qu'il attend de nous aussi, parce qu'on se voit toujours plus beau qu'on est. Donc c'est bien d'avoir aussi un esprit critique positif sur les points d'amélioration qu'on pourrait mettre en place. Donc ça, c'est des échanges auxquels on est aujourd'hui complètement, complètement en phase. La décision lui appartient. Moi, ce que j'apprécie, c'est que ça reste dans un cadre, encore une fois, familial, parce qu'il n'a pas d'agent. Ça se passe avec des vraies valeurs, des gens honnêtes, sincères, qui sont forcément là pour le bien de leur fils. Mais parfois, c'est beaucoup plus constructif et certainement plus bénéfique pour le coureur d'être dans cette situation-là.
Je vois une question de Seb sur le chat. Il nous dit Quickstep se lorgne sur Dolly si on suit à la presse. Ça me permet une question par rapport à la Quickstep et à Patrick Lefebvre. J'ai vu qu'il n'était pas forcément tendre avec vous, parce que si j'ai bien compris, il y a une histoire de jeu, enfin de paris en Belgique qui serait interdit sauf pour l'entreprise de loto nationale, un peu comme la Française des Jeux en France. Quelles sont tes relations justement avec j'allais dire tes confrères, si je peux les appeler ainsi, de Soudal Quick-Step? Moi, j'ai pas. On s'est rencontrés bien avant que je prenne ce poste. J'habitais, parce que j'ai déménagé il y a 4 ans, mais j'étais encore plus près de chez lui il y a très peu de temps. On était quasiment voisins. Moi, j'ai beaucoup de respect pour qu'il a aujourd'hui récolté comme palmarès en tant que chef d'entreprise. On peut pas lui reprocher. On peut lui reprocher beaucoup de choses, pas le fait qu'il soit un mauvais meneur d'hommes. Donc, il a quand même réussi à mener ses troupes plus haut des sommets. Et là, je n'ai qu'une analyse de passionné de vélo et qui observe le factuel. Après, ses propos, c'est vrai à notre encontre sur le fait que les paris en ligne soient bientôt interdits de publicité en Belgique et que l'auto ne le soit pas, il faut un petit peu remettre l'église au milieu du village. Il faut savoir que ben, tout le lobby des jeux en ligne est derrière lui, hein, puisqu'il a plusieurs partenaires de jeux en ligne. Mais il ne faut pas oublier que ces jeux-là sont privés, qui font du profit. Donc, c'est absolument pas, comment dire, d'intérêt commun, mis à part pour ceux qui sont les propriétaires de ces enseignes-là. Pour ce qui est de la loterie, aujourd'hui, il faut savoir que tout l'argent récolté, c'est étatique déjà, et l'argent récolté est reversé systématiquement dans des actions sportives, bénévoles, caritatives. Voilà, il y a un véritable don de fait de cet argent-là pour le bien public, ce qui n'est pas le cas de ces paris en ligne qui sont encore une fois privés. Donc, bah, il joue son rôle à la Patrick Lefebvre, hein, on le connaît un petit peu aujourd'hui, qui aime bien allumer la mèche et puis, faire exploser. Voilà, c'est ça. Donc, moi, j'ai envie de dire simplement, c'est du Lefebvre et point barre, quoi. Moi, ça j'avoue que ça ne m'empêche pas de dormir du tout. Et puis là, sa manière d'être, il fait son show et il est comme ça. Il est comme ça. Il a des très bons côtés, sincèrement. Puis, ben, quand il est dans cette phase-là, sincèrement, il est détestable. Mais c'est encore une fois un avis personnel. Mais j'apprécie le bonhomme quand il est lui-même et que, voilà, on a une discussion d'homme à homme, face à face. Il a des bons points et je vous assure, c'est pas non plus un pauvre type ou un mauvais mec qui maltraite ses coureurs comme on peut le lire parfois dans la presse. C'est vrai qu'il a des propos des fois, comment dire, méchants ou provocateurs, mais il a un côté humaniste quand même, même si il n'oublie jamais qu'un nom correspond à un salaire, à une ligne budgétaire dans son équipe et que chacun doit répondre de cela. Moi, c'est pas ma façon de voir les choses. C'est pas comme ça que j'aime diriger les gens. J'ai peut-être, ouais, est-ce que c'est une forme de respect, je sais pas, mais je sais d'où je viens et puis je pense que j'attache plus d'importance à l'homme et comprendre pourquoi justement il n'est pas capable de produire ou de donner 100% de ce qu'il est là et peut-être même plus que 100%. Donc, je pense qu'on a de meilleurs résultats comme ça. Mais bon, c'est sa méthode et puis ça lui appartient, hein, tout simplement. Tiens Stéphane, tout à l'heure tu parlais des agents et j'imagine que tu as aussi un petit peu découvert ce milieu-là, même si forcément tu avais affaire à eux chez Soja Sun, pardon, ou même chez Rally. Mais quel rapport tu as avec les différents agents du milieu? J'imagine qu'on doit énormément te contacter déjà pour placer des coureurs ou pour d'autres raisons. Bien sûr, ce que je découvre moi 10 ans après Soja Sun, parce que chez Rally, je n'avais pas du tout cette fonction-là. J'ai cru voir une question d'ailleurs pour y revenir sur Rally et le regard que j'ai sur le fait que je l'ai co-dirigé pendant 3 ans. Je veux juste préciser certaines choses par rapport à ça, mais j'y reviendrai plus tard. Non, ce qui a beaucoup changé en 10 ans, c'est effectivement aujourd'hui, quel coureur n'a plus d'agent, alors qu'à l'époque, je sais pas, j'avais peut-être 2, 3 coureurs sous agent. C'était une plaie pour moi déjà. Alors aujourd'hui, on doit faire avec, c'est l'évolution. Alors
Il y a certains agents qui ont des vraies connaissances, qui sont pointus, qui sont dans l'accompagnement de leurs athlètes. Bon, ben voilà, il y a les bons et les mauvais, c'est toujours pareil. Après, il y a ceux qui collectionnent les noms, qui font signer des jeunes très jeunes, qui les mettent sous le coude. Et puis, en fait, voilà, si le gamin perce, tant mieux. S'il perce pas, ils n'ont plus de nouvelles de ce pseudo-agent. Et ça, c'est vrai aussi. Donc, encore une fois, c'est une évolution du sport. On se rapproche de plus en plus du football par rapport à certaines choses. J'ai pas, moi en tout cas, ce qui me concerne. Est-ce que tu es en position d'en blacklister 2-3 si jamais tu considères qu'ils sont toxiques, entre guillemets? Forcément, oui. Je ne vais pas te demander de nom parce que je sais que tu ne vas pas me les donner, mais bon. Oui, j'en ai un particulièrement, oui. C'est peut-être préférable de ne pas le citer. Bref, pour redevenir un petit peu sérieux, je vais commencer à prendre les questions. J'ai vu Ketaro notamment qui parlait de Frédéric Frison. Il te demande si jamais il aura plus de responsabilités dans le futur. Ah, c'est une bonne question. Frey, c'est vraiment, moi, c'est un de mes plus gros bonheurs, on va dire, cette année, d'avoir vu Frey réussir de prendre la quatrième place à Dupaan et à Ganvi-Wegem. C'est un coureur qui a une place vraiment, comment dire, essentielle dans le groupe, d'un point de vue déjà de l'état d'esprit, de l'application des consignes. Il est exemplaire. C'est le meilleur des mots. Et de le voir aujourd'hui, ben, ça s'est passé à Dupaan parce qu'effectivement, Caleb Ewan n'a pas répondu forcément aux attentes. Il n'avait pas la capacité ce jour-là. C'était des conditions climatiques déjà très compliquées. Et Caleb n'aime pas forcément cela. Mais c'est vrai d'avoir vu Frey aller cueillir un bon résultat, des points précieux, pour parler des points. Rebolote à Ganvi-Wegem, où il a couru, je dirais pas dans cette posture de prendre solide, mais dû au fait des crevaisons d'Arnaud Delis, de Jasper Debust, enfin beaucoup, beaucoup de coureurs qui ont eu des soucis, bah, il a pris parfaitement le manche et il a assuré. Donc c'est toujours bien parce que c'est quelqu'un qui se donne à 3000% pour l'équipe, qui fait énormément de kilomètres pour l'équipe. Et le fait de le voir prendre ses responsabilités et toucher ce plaisir de faire une propre performance, je trouve ça carrément génial. C'est vraiment ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais en début de saison, en leur passant ce message-là, que quand c'était possible, prenez votre chance, quoi. Et là, il l'a parfaitement exécuté. Donc, lui donner plus de responsabilités, non, je pense que ce sera toujours dans cette optique-là, c'est que la porte est ouverte aux initiatives et à cette chance qui peut se produire. Encore une fois, la preuve en est avec ces deux beaux résultats. Mais c'est forcément dans cet esprit-là que j'ai envie de conjuguer l'autodestinie à l'avenir. Parce que des monostratégies, où voilà, systématiquement identiques, je trouve ça un peu ennuyeux pour moi en tout cas. Moi, j'aime bien qu'une équipe respire bien quand justement les vainqueurs sont différents, quand les résultats sont apportés par de nombreux coureurs différents. Bien sûr, on a des leaders charismatiques et il y a certains jours où cette ouverture ne peut pas se produire parce qu'ils ont un rôle bien défini pour que justement le leader puisse scorer. Mais il y a beaucoup, beaucoup de jours de course où justement cette possibilité-là est réel. Donc oser quoi, quand c'est possible. Et encore une fois, en transparence, en honnêteté, si on a la conviction que c'est jouable, et ben on fait confiance et on voit. Alors bien sûr, si le gars à chaque fois il nous demande de lui faire confiance et qu'il se rate à chaque fois, on revisera notre position vis-à-vis cela, mais à partir du moment où ça fait preuve de réalisme et encore une fois de transparence vis-à-vis de ses sensations, et que ça ne rentre pas dans un schéma individualiste, égoïste, moi je suis extrêmement favorable à cela. Donc, et c'est partagé par les directeurs sportifs et tout notre staff. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors la deuxième question, tu l'as vue, je crois, elle était sur Discord, elle concerne Human Power Health. Ton regard, ouais, tout simplement, donc sur la formation que tu as co-dirigée pendant 3 ans.
Alors déjà, j'ai rien co-dirigé du tout. Oui, tu étais responsable européen, non, c'est pas ça? Mais ouais, ah oui, ils aiment bien les grands mots là-bas. Ouais. Non, en fait, oui, c'est la mission qu'on m'avait vendue 2018, où je devais effectivement apporter. J'ai vraiment strictement rien apporté en fait. C'est ça qui était mon drame. C'est vraiment ennuyé à un point où effectivement, quand on, moi j'aime, bah, j'aime voir les effets de quelque chose. Donc si c'est pour entre guillemets faire le planton, gérer, oui, j'ai géré la mise en place de la structure juridique et sociale en Europe. J'ai installé, on va dire, tout ce qu'il y avait à installer, je dirais, sur le territoire européen, parce qu'effectivement, c'est quand même une complexité d'être sur un territoire américain, un autre continent, avec une activité qui se déroule principalement à 90 ou 95% en Europe. Donc, c'est pas simple, et avec un effectif qui est aussi très, très anglo-saxon, très américain ou canadien. Donc, à partir de là, oui, j'ai mis ça en place, mais ensuite, ça s'est plutôt limité à une gestion des dossiers UCI, à de la gestion de déplacement, à la gestion de réservation d'hôtels, gestion de flotte, réparer et payer les amendes d'excès de vitesse quand il y en avait. Donc j'estime que je n'avais pas forcément une influence précise. Et puis je crois que ouais, à partir du moment où on n'est pas capable de comprendre qu'un Magnus Sheffield est un talent important. Et qu'on le justifie qu'il a trop de caractère, alors qu'il demande juste une bonne exécution de son activité majeure. Moi, ça m'embête. Ça m'embête. Je n'étais pas forcément en phase. Qu'est-ce qui s'est Mais passé avec Magnus, Stéphane? Magnus, bah, il a juste. On a en fait participé. C'était 2021. On était encore en phase Covid. Pardon, 2020. Phase Covid, et donc j'ai fait le. Je ne veux plus remonter dans la voiture parce que voilà, c'est pas ma place. À partir du moment où on a des responsabilités comme je peux en avoir encore aujourd'hui, il faut être à 100%. Aujourd'hui, les directeurs sportifs sont des gens experts dans leur domaine et que on peut pas s'interpréter directeur sportif juste le temps d'un week-end sans avoir pu travailler, échanger avec ses coureurs dans la semaine. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je vois le métier de directeur sportif, donc ce qui était absolument pas mon cas. Et à partir de là, effectivement, bah, j'ai quand même dirigé l'équipe sur plusieurs courses en début de saison 2020 parce que, à cause de Covid et de problèmes de transport, l'éditeur sportif n'a pas pu venir à temps et en heure. Bah, je dirais que voilà, ça s'est plutôt bien passé avec Magnus, entre autres. Et puis, bah, il a eu envie de changement, il a eu envie de voir, bah, il a vu ce qu'on pouvait bien faire et c'est vrai qu'il n'a pas retrouvé ça quand j'y étais plus. Mais c'est pas que moi, il avait du questionnement sur le matériel, il avait du questionnement sur son calendrier de course, il avait des choses qu'on n'a pas voulu entendre ou écouter. Et du coup, bah, il avait pas d'autre choix de dire simplement, soit vous me libérez, soit j'arrête le vélo. Donc c'est triste à 19 ans qu'il avait de devoir en arriver là. Donc bah, Ineos ne s'y est pas trompé, il a très très vite enrôlé. Et je suis très content pour lui. Et de la même façon, quand on me dit qu'un Jason Tesson, qui est à l'époque amateur, n'a pas les capacités d'évoluer chez les professionnels, je suis quand même un peu dubitatif. Donc, à partir de là, il n'est pas question de se fâcher, il est question de se dire, bah, écoutez, moi, ma route, elle s'arrêtera là, et j'ai pas la foi pour travailler ainsi. Donc, voilà. Troisième Donc, aujourd'hui. question, tiens, allez, sur ta carrière. Est-ce que tu te souviens plus de tes victoires et du maillot jaune que de ton abandon sur le Tour 96? Oh là là. Alors déjà, ouais, j'ai. Oui, ça fait partie d'un pan de vie. Non, j'ai pas. Que ce soit l'abandon, la prise du maillot jaune. J'ai le même regard presque sur ma première victoire dans le vélo que en cadet ou ça fait partie. Oui, ça fait partie d'une carrière. Ça fait partie de rêve. Ça fait. Non, je crois que s'il y a un truc qui m'a quand même bien marqué dans ma carrière, c'est le port du maillot bleu, blanc, rouge pour une année. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne nous enlève pas, même si on n'est pas bon, le soir de l'épreuve, sauf à date anniversaire du nouveau championnat. Donc non, j'ai pas. J'ai un regard relativement. Comment dire? J'ai pas de nostalgie. Je suis heureux de ce que j'ai fait, comment je l'ai fait.
Ouais, non, c'était. J'ai pas. Bien sûr, on parle toujours du maillot jaune, on parle toujours de l'abandon. Hein, ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Encore que maintenant, les générations font qu'ils ont de moins en moins connaissance du passé des coureurs. Donc, moi, à l'époque, je connaissais l'histoire des Bobet, des Anquetil, des Merckx, qui n'étaient pourtant pas forcément des exploits avant ma naissance. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les coureurs ont beaucoup moins de. Pour certains, en tout cas, pour une grande majorité, en tout cas, ouais, ont moins de connaissances ou de ça. Donc, moi, ça s'estompe. C'est les gens de mon âge et les plus anciens qui me reparlent de ça. Justement, il y a pas mal de questions sur ta carrière. Je vais essayer d'en prendre quelques-unes en vrac. On nous parle notamment de 97 et la FDJ. Alors ça, c'est intéressant. Comment se passaient les relations avec les Madiots? Ah, sujet épineux, ça. Ouais, j'ai pas fait exprès du tout de choisir cette question, bien Non, sûr. non, bah, disons que moi les Madiots, je les connaissais depuis très longtemps, puisque mon ex-épouse, en fait, le père de mon ex-épouse était très proche de Marc, notamment. Donc, forcément, il y avait un côté idole dans ma jeunesse. Au vu de mes résultats, il s'est un peu baptisé mon père spirituel, c'est chose que j'ai toujours refusé parce que. Ben, on n'a qu'une famille, moi j'ai qu'un père, j'en ai pas deux, et encore moins spirituel. Enfin, je veux dire, voilà. Mais bon, j'ai suivi le mouvement, on va dire, et je dirais que les choses se sont détériorées à partir du moment où il m'a fait signer un vrai faux contrat en fin 95, alors que j'étais chez Banesto, parce qu'il était sa première année de retraite, il me semble. Et puis j'avais fait cinquième de Paris-Nice en 95. Et il avait un peu. Il était directeur de course et il racontait un peu partout que j'allais être le futur leader de son équipe. Et ce jour-là, au moment du chrono du Col d'Aise, qui était la dernière étape, la dernière demi-étape de Paris-Nice, José Miguel Echevarri, qui était mon manager d'équipe à l'époque, voulait me faire signer. Et je lui ai répondu non parce que je voulais absolument faire le tour en 95. Avec Indurain. C'était d'ailleurs ça sera l'année de son cinquième sacre. Et il m'a dit non. Et on n'avait pas fini Paris-Nice puisqu'il restait le chrono du Col d'Aise. Et j'ai dit si je fais un top 5 ou un podium sur Paris-Nice, ça peut changer. Il m'a dit non, rien ne changera mon idée. Donc je lui ai dit ben, je signerai pas. Il a fait une surenchère. J'ai dit non. J'ai dit je veux juste avoir ta promesse que je ferai le tour. Et il m'a dit non. Donc, il m'a dit, bah, c'est parce que Madio va monter son équipe et que tu vas aller avec lui. Je dis, ça n'a rien à voir, je suis même pas au courant de ça. Il me dit, si, si, tout le monde le dit, tout le monde se. Et puis, moi, bon, j'étais mis de côté chez Banesto à cause de cela. Donc, Madio est venu chez moi en septembre, début septembre, m'a fait signer un contrat, à moi d'ailleurs, comme à des Thierry Gouvenot. Il y a eu plusieurs coureurs qui ont été concernés dans ce schéma-là, et malheureusement, on n'a jamais gardé les contrats vers nous, c'était signé de notre part, et on n'a jamais eu plus de nouvelles de lui, sauf qu'on a appris effectivement que son projet d'équipe était avorté. Donc, c'est vrai que je salue et je remercie Roger Leger à ce moment-là d'être venu me chercher, parce que je pense que ma carrière, j'avais vraiment pensé que ma carrière s'arrêtait là. Et puis, j'ai été relancé avec Roger. Et c'est vrai que quand il est revenu à la charge pendant le Tour 96, dans ma tête, c'est que j'allais lui faire payer. Et là, j'ai fait l'erreur pour moi de ma carrière parce qu'on ne peut pas, en tout cas, je peux pas rejeter la faute à Madio là-dessus parce que c'était mon choix. Il y avait un côté revanchard parce que j'aime pas les gens qui n'ont pas de parole et qui puissent faire ça à ceux qu'ils interprètent comme leur père spirituel et sans avoir autre chose que des explications du style, c'était de la faute à Guimard, c'était de la faute à ci, de la faute à ça. Donc forcément, ça n'a jamais été à partir de là très très bon, très simple, puisque moi, ça reposait simplement sur un bon contrat. Et ça a mis fin certainement à ce que j'aurais pu faire de bien dans le vélo, je pense. Mais maintenant, c'est du passé, et puis c'est comme ça. Sur le passé, Stéphane, il y a une autre question. Est-ce qu'il y a des coureurs à qui tu es resté en relation, voire en amitié, me demande Seb. Ah oui, j'ai un très très grand copain, j'en ai plusieurs, mais Cyril Saugrain est certainement celui dont je suis le plus proche aujourd'hui. On était encore ensemble hier,
commentais sur RTBF pour le Liège Bastogne-Liège. Et Cyril habite à quoi, 10 minutes de la maison ici. Il est juste à la frontière à Neuville-en-Ferrain. Et Cyril, depuis que j'ai pris le maillot jaune à Madine et que lui avait gagné l'étape, on ne s'est jamais quitté. Mon épouse est ostéopathe ici, sa femme, sa fille qui court maintenant. Même Cyril vient la consulter, il s'arrête régulièrement, on partage un moment, on s'appelle régulièrement. Ouais, Cyril, je peux dire que c'est vraiment un ami du vélo. Et puis Alain Galopin, par exemple aussi, qui n'a pas couru avec moi, mais qui était mon directeur sportif et que j'ai connu à la Française des Jeux, est resté de quelqu'un de très proche, très très proche. On n'en a pas beaucoup, hein, fin de carrière, hein, des gens sur lesquels on peut compter. C'est assez marrant d'ailleurs l'histoire, parce que c'est vrai que moi j'avais l'équipe Sojasun, c'est vrai que on a beaucoup de sollicitations, on a le sentiment d'être beaucoup apprécié. Quand la lumière s'éteint, c'est là qu'on voit ceux qui sont Est-ce qu'il y a encore. des gens qui t'ont vraiment déçu? Oui, beaucoup, oui. Oui. Des gens que j'ai tractés toute ma vie, ou au pire, toute ma carrière, et qui, à partir du moment où on n'avait plus rien à sucer, ont complètement disparu des radars. Donc, c'est comme ça. Mais je crois que ce cas-là, j'ai envie de dire, le plus dur, ça a été pour mes parents, en fait, parce que eux voyaient pas ça d'un œil, comment dire, ces gens-là, ils les voyaient ça comme, ils les considéraient véritablement comme des gens fiables et sincères. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup plus d'amertume que moi je peux en avoir. Mais ça fait partie de la vie. Je crois que tout le monde connaît ça. On n'est pas exceptionnel dans ce registre-là. C'est un peu pixelisé parce qu'on est dans le monde du sport, au milieu public, on est aimé, pas aimé. Ça, c'est encore une fois, c'est la vie. Mais globalement, les travers des gens, c'est ce qu'on rencontre dans tout à chacun. Hein. Mais est-ce que tu t'en sers, ça, Stéphane, de ces expériences un peu malheureuses dans ce que tu transmets aux jeunes, leur dire que tant que la lumière est là, ça va, mais qu'il faut faire attention, prendre du recul? Bien sûr, moi je m'en sers déjà surtout pour moi, Ouais. parce que c'est vrai que moi, quand l'aventure Sojasun s'est arrêtée, ça a été compliqué, parce que bah, voilà, c'était un échec, hein, je l'assume. J'y suis pas arrivé, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais c'est jamais assez pour certains. Après, chacun y va de sa version, chacun y va. Tu entends des choses qui sont pas toujours agréables. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que maintenant, je reçois même des messages que l'époque Sojasun, c'était le plus beau moment de la T'es carrière. redevenu intéressant, quoi. Ouais, mais à la rigueur, encore une fois, je suis pas. J'écoute ces gens-là, mais moi, je me suis. C'est pas une carapace que je me suis faite, c'est que j'ai développé une forme d'empathie grâce au coaching, parce que ça a été pour moi salvateur et extrêmement découvrant, en tout cas, des capacités que je pouvais avoir sur certaines choses, de forme de résilience, que je n'avais probablement pas assez. J'aurais bien aimé avoir cette expérience-là à la fin de ma carrière. J'aurais certainement commis moins d'erreurs. Mais en tout cas, j'ai essayé. Donc, je me suis parfois trompé, j'ai réussi. Et je suis. Voilà, moi, je suis arrivé du bas, hein, par rapport à l'après-carrière. Donc, je n'ai pas été nommé ou je n'ai pas dirigé tout de suite. J'ai pas eu une cuillère d'argent dans la bouche. Ça a été compliqué. J'ai mis des fonds personnels très, très lourds dans ce que j'ai achevé aujourd'hui. Là, je ne dois pas grand-chose à qui que ce soit. À Sojasun, certainement beaucoup. Mais autrement, je veux dire, je me suis construit par moi-même. Et ça restera ma plus grande fierté. Mais est-ce que ça peut aider les jeunes? Oui, des témoignages, si on me demande. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va parler de ma carrière, de mon vécu. Je ne m'étends pas sur moi-même parce que j'estime que ça peut barber tout le monde. Et puis que l'important pour moi, c'est d'avoir le mot juste au moment présent. Parce qu'on est dans l'instantané, aujourd'hui, il faut aller vite. Même si on essaie d'être visionnaire, d'apporter les meilleures informations et conseils du moment, en considérant toujours l'humain, je le répète, parce qu'on est dans un sport, la base de la performance, ça reste l'humain. Et voilà. Mais aujourd'hui, les coureurs sont tellement entourés. De bons ou mauvais conseils d'ailleurs, mais je suis pas là pour en rajouter quoi.
Mais est-ce que du coup, quand tu vois les exemples de BNB, mais de ZAF aussi, hein, chez les femmes et bien d'autres, tu dis qu'il y a vraiment un travail qui n'est pas fait parfois par les proches, enfin par les proches, par ceux qui sont censés conseiller justement, et qui emmènent un petit peu tout le monde dans le mur? Bon, après, moi, ce que je dis toujours, il faut être dans le lit de la mariée pour savoir ce qui s'y passe. Moi, je suis pas dans, je suis comme tout le monde, je suis un observateur extérieur. J'ai récupéré chez Soja Son Espoir un Adrien Lagré qui était dans sa première année pro chez BNB, qui a été courtisé de notre équipe réserve pour aller dans celle de BNB. Bon, garçon, après, il faut le récupérer, il faut le reconstruire. Donc ça, c'est un travail qu'on a à faire derrière d'un passage d'un rouleau compresseur qui a été matraquant. Et même si c'est, encore une fois, tu vois, tu me parlais tout à l'heure, parce que j'éclaire les jeunes, mais lui, je lui ai pourtant beaucoup parlé à ce sujet-là, mais comment aujourd'hui, comment c'était possible à ce moment-là de le convaincre qu'il fallait prendre des garanties sur ci, sur ça? Est-ce que c'était sûr? Est-ce que c'était la bonne équipe pour lui? Est-ce qu'il allait avoir un suivi? Il m'entend pas là. Il a envie qu'une chose, c'est de passer pro. Comme beaucoup. Donc, concernant, voilà, et puis après, ça périclite. Bon, bah, c'est des choses qui peuvent arriver. Moi, j'ai connu ça. Moi, j'avais libéré mes coureurs dès la fin du tour 2013. Et puis, bah, ceux qui m'ont créé entre guillemets, le plus de dommages, c'est des coureurs qui ont signé dès la fin du tour et qui, au moment de l'annonce de la fin de l'équipe qui nous demandait encore des dommages-intérêts sur des choses alors qu'eux avaient leur avenir sauvé et que nous étions en train d'essayer de sauver ceux qui n'en avaient pas. Donc, qui est le méchant ou le gentil là-dedans? C'est sûr que d'annoncer la fin d'une équipe au mois de décembre, c'est un peu insensé et irresponsable à mon sens. Mais encore une fois, je ne vais pas commenter ce que je ne sais pas. J'ai des informations, comme tout le monde. Plus ou moins vrai, plus ou moins proche. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des questions à se poser au niveau de la DNCG et probablement de la Ligue sur la validation de certaines choses qui n'a pas été faite pour le KBNB et qui n'avait pas été faite pour le mien. Donc, à un moment donné, c'est facile derrière de crier au loup, mais quand ces gens-là ne font pas les investigations nécessaires et prennent les garanties suffisantes, malheureusement, voilà, je pense que les erreurs, elles sont communes. Et encore une fois, on est dans un contexte aussi aujourd'hui, on vient de traverser le Covid, il y a les entreprises qui souffrent, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et c'est encore difficile, même en prenant toutes les garanties, à mon sens, donc je dis un non-sens par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure, mais d'être sûr que les sponsors vont pouvoir nous accompagner plus haut. Les investissements sont de plus en plus lourds. Effectivement, il y a un bon retour sur investissement, on ne va pas le contester. Mais maintenant, faut pas oublier que les entreprises, leur cœur de métier, c'est d'abord de faire du chiffre d'affaires, donc et de vendre leurs produits. Ce n'est pas toujours faire du sponsoring. Donc, il peut y avoir des priorités vitales qui font qu'à un moment donné, on dise non. Et voilà. Mais non, je. Après, il y a peut-être un regard plus important à avoir sur, voilà, sur une gestion, sur. Est-ce que Mais c'est bon. confortable, enfin, tu vas détester ce terme-là, j'imagine, mais est-ce que c'est confortable, entre guillemets, d'avoir un sponsor fiable comme la Loterie nationale belge, comme la Française des Jeux, hein, aussi pour Marc Madiot ou est-ce que tu as cette réflexion-là ou pas du tout? Bah évidemment, en termes de confortable, faut comprendre que, encore une fois, on est avec des partenaires, on est dans le cyclisme, on ne produit rien que de l'image et de la notoriété, et de l'émotion aussi. Donc, ce sont des gens qui peuvent faire plein d'autres choses pour obtenir cela. Ils ont choisi le cyclisme, donc ben on est toujours dans des CDD. On n'est pas dans une logique de vision très long terme. Personne n'existe comme ça. Même si aujourd'hui, on peut avoir l'impression que certaines équipes sont là depuis très longtemps, ce qui est le cas pour l'Auto ou pour Française des Jeux, ou même pour. Un sponsor différent comme AG2R ou comme Cofidis. Moi, je pense que oui, y a une forme de confort parce qu'on est avec des gens qui sont déjà, en ce qui me concerne, qui sont là depuis pratiquement 40 ans, dans une activité qui convient parfaitement à ce qu'ils recherchent vis-à-vis de la population belge.
C'est confortable parce que voilà, on a une écoute, j'ai une écoute. Je suis pas seul à, entre guillemets, comme je pouvais l'être moi quand j'étais propriétaire à 100% de ma propre équipe. Donc c'est moi, c'était aussi ça un critère d'acceptation de ce poste, c'est que j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur un conseil d'administration de cette coopérative sportive qui est très riche et forcément poseuse de bonnes questions et de nombreuses questions. Donc ça pousse un peu dans ses retranchements. Mais c'est confortable parce qu'effectivement, on a la capacité, comme avec Arnaud, on parlait de l'exemple d'Arnaud Delis par exemple, mais avec d'autres aussi, hein, de pouvoir s'inscrire dans le long terme. Donc ce qui n'est pas forcément évident quand on a un contrat qui s'arrête brut à 2 ans, 3 ans, voire à 1 an. Donc on est toujours dans l'urgence et notre urgence n'est pas toujours corrélée à la leur. Donc ça demande, c'est un mouvement perpétuel, voilà, c'est un combat permanent, c'est un combat, je sais pas, mais c'est une marche rapide en permanence, ouais. On n'a Tiens, pas soufflé. pour finir, j'ai 3-4 questions encore, mais il faut que je me dépêche, que j'avais promis de ne pas te garder trop longtemps. Je vois qu'il est déjà 15h05. C'était des questions d'ordre général, notamment par rapport à la jeune génération et au salaire qu'on entend à droite à gauche. Est-ce que tu trouves qu'il y a une vraie fuite en avant par rapport à ça? Parce que parfois, on entend des sommes qui paraissent un petit peu hallucinantes. Oui, ben les salaires, est-ce qu'on peut se plaindre? Tout dépend encore une fois de quelle casquette on a sur la tête, hein. Quand on est coureur, forcément, on est là, je dirais, de passage. On sait qu'une carrière sportive, voilà, ça a un temps limité. Donc il y a un moment où effectivement il y a une fenêtre pour bien gagner sa vie. Mais c'est vrai qu'on est dans une logique aujourd'hui où on va chercher les jeunes très vite. Pour la Devo, c'est vrai qu'on les récupère en sortant de junior et on les bloque déjà sur minimum 2, voire 4 ans. Donc quand on a la conviction, mais c'est un pari sur l'avenir. Mais c'est bien parce que d'un autre côté, ça nous incite aussi ça nous oblige à vraiment travailler sur la gestion de carrière et sur une bonne montée en puissance. On n'est pas sur des one shots, c'est ça que je veux dire. C'est que, en tout cas, c'est notre logique chez Lotto Destiny. C'est vraiment step by step et avec Kurt, on est vraiment en accord là-dessus. L'important, c'est que la marge de progression soit toujours bien présente et qu'on n'ait pas le sentiment, en tout cas, d'avoir déjà les 100% ou 120% au moment des juniors. Mais aujourd'hui, on est dans une fuite en avant vis-à-vis de la détection des talents. Donc, ça, c'est bien. Qui a une reconnaissance entre guillemets et un suivi des jeunes. Maintenant, moi j'ai un petit peu peur qu'on soit dans un. Pour imager la situation, je la reprends souvent, c'est que on a deux, trois éléments qui ont passé le bac à 13 ans, 12, 13 ans, et aujourd'hui on est dans une idée qu'il faut en faire une généralité au lieu de 18. Et ça, c'est inquiétant pour moi parce qu'on va se retrouver probablement très vite dans un registre. De perte de talent. Je vais m'expliquer, je vais prendre un exemple très concret. Je vois Geoffrey Bouchard, il est passé chez les pros à 27 ans. C'est un garçon qui a forcément été moins précoce que certains autres en termes de sérieux, en termes d'entraînement, en termes de parcours de vie. Je ne le connais pas personnellement, non, mais je l'imagine. Mais c'est un garçon qui performe chez les pros. Est-ce que ce coureur-là, à l'heure actuelle, serait passé chez les pros? Je ne le crois absolument pas. Et pourtant, on a quelqu'un qui fait de très belles choses. Je prends un autre exemple, je prends le cas d'Hugo Page. Il est à la Continental FDJ. On estime qu'effectivement, après 22 ans, ben, ils ne peuvent plus rester. C'est respectable. Sauf que ce garçon-là, si on n'a pas un consultant, un conseiller, un expert comme Alain Galopin qui est là pour le récupérer, ben, il a fini le vélo. Qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Je ne sais pas. Et pourtant, il performe aujourd'hui. Donc, moi, ça, c'est une analyse. C'est du factuel. Et là, je ne jette pas la pierre sur la Conti FDJ, parce qu'à côté de ça, on a des réussites avec du Grégoire, avec du Martinez et bien d'autres. Mais n'empêche qu'il y a une réflexion à avoir là-dessus. Pourquoi on doit absolument aujourd'hui chercher le Evenepoel, le Pogacar? Je pense que ce sont des exceptions, comme il y en a dans des générations, et des fois pas beaucoup. Là, on en a deux, peut-être trois avec Ayuso, en termes de jeunesse en tout cas. Et il faut être vigilant à ça, parce que sinon,
on va perdre toute l'ADN du cyclisme et puis on va se retrouver comme dans le football, avec dans les centres de formation, avec 90% de déchets et 10% de réussite. Donc, mes proportions sont peut-être exagérées, mais je veux juste marquer le trait par rapport à ce qu'on peut imaginer, parce qu'aujourd'hui, les gamins, en sortant, même en junior, ils sont déjà dans une logique d'aller faire de l'altitude, d'avoir la micronutrition, d'être extrêmement pointu, alors que pour moi, ça fait partie d'une marge de progression pour l'avenir, et ne pas les rentrer dans un schéma psychologique extrêmement étroit, qui, à mon sens, va les contraindre à une explosion mentale au premier échec, ou en tout cas 2-3 ans après, quand ils vont être vraiment dans le bain. Donc voilà, ça, je pense que ce sont des facteurs qui ne changeront pas et auxquels peut-être on se perd aujourd'hui en faisant un petit peu du grand n'importe quoi sur des recrutements à la volée, sans se soucier de ce qu'ils vont en advenir à terme, quand il faudra vraiment qu'ils grandissent, quoi. Une autre question au niveau des salaires. Stéphane, j'imagine que tu as vu la sortie de Marc Madiot dans Cycling News, qui a été validée ensuite par Yann Sogland, le patron du NOx. Est-ce que tu es pour ou contre, toi, la notion de budget cap ou de salary cap? Dans l'idéal, oui. Maintenant, je suis pas sûr que ce soit très déontologique. Et encore une fois, on va s'ouvrir à des travers. On peut très bien mettre un budget cap, mais il y aura toujours des détournements, entre guillemets, légaux ou moins, mais en tout cas de ressources pour les coureurs à travers des contrats directs avec des sponsors, des choses comme ça. Donc, enfin, encore une fois, je parle sans véritable connaissance du système, comment dire, possible sur ce genre de choses, mais j'ai du mal à imaginer aujourd'hui, même si c'est idéal, hein. Je suis complètement d'accord, hein, c'est une idée, pourquoi pas, mais c'est une énergie folle à dépenser pour tomber sur le bon ratio. Mais après, dans l'application, je demande à voir, parce qu'on va se retrouver encore une fois avec des injustices, forcément. Même si aujourd'hui, déjà, il n'y a pas que le salaire qui compte, il y a le niveau de performance de chaque équipe. Il y a tout ce qui est recherche et développement qui doit être mis en avant auprès d'un coureur, c'est demandé très jeune. Mais le salary cap, ouais, ah, moi, je suis pas du tout opposé à cette idée-là, hein, en tout cas à la travailler et en discuter, mais dans l'application aujourd'hui, comment on peut imaginer que Très dur à quand mettre en on place, quoi. a ouais, quand on a un budget comme UAE, c'est un puits sans fond. C'est un puits sans fond. Donc, on peut pas jouer. Nous, on est avec des entreprises à taille, je vais pas dire à taille humaine, parce que ça reste quand même des grosses entreprises, mais en tout cas pas de cette dimension de folie en termes de budget. Donc, est-ce qu'on peut, voilà, j'ai du mal à, est-ce que c'est pas non plus limitant? Est-ce que c'est pas au détriment des coureurs? Est-ce que c'est pas, voilà, je sais pas, mais pourquoi pas si on arrivait à se mettre tous autour d'une table et valider ça de manière générale et que ce soit applicable, ok, mais j'en doute malheureusement fortement. Et les indemnités de formation, Stéphane, 2000 euros, c'est de la flûte ou c'est un bon début et il fallait commencer par quelque chose? C'est, on va dire que c'est un début maintenant, franchement, c'est honteux. C'est honteux parce que aujourd'hui, moi, encore une fois, je viens de la base, donc désolé, mais je vais la défendre. Mais la défendre comme la défend un Bernodeau, c'est bien. Enfin voilà, ça c'est la vraie formation. On est parti de rien, on a des jeunes qui passent professionnels, on n'a aucune reconnaissance du monde pro. On tourne autour du pot depuis X années. Aujourd'hui, 2000 euros, oui, si vous voulez, messieurs. Mais maintenant, vous êtes les premiers à taper sur la tête des équipes formatrices chez les jeunes. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec vos équipes de formation, vous n'en faites pas beaucoup mieux. Et puis, en tout cas, il n'y a pas de. On va détruire très probablement à un futur très proche les DNA, puisque une DNA aujourd'hui est logiquement le niveau le plus haut chez les amateurs. Pour participer à des épreuves de classe 2, ben, il faut se battre comme des chiffonniers. Ça devient limite s'il ne faut pas prendre tous les frais à la charge de ces clubs, des clubs pour y aller. Faut dire que la course est la plus belle, faut dire plein de choses. Enfin, en fait, on est des moutons. Et puis, aujourd'hui, le retour sur investissement sans ces épreuves classe 2, et en tout cas sur le plan sportif, il n'y a plus de légitimité des DNA.
C'est pas en faisant trois rencontres ou cinq rencontres dans les Coupes de France de DN1 qu'on fait progresser nos coureurs. C'est désolé, c'est pas vrai. Parce qu'on Quand l'a on vu sait avec une qu'aujourd'hui. épreuve comme le Tour du Loir-et-Cher, je ne sais pas si tu l'as suivi, mais il préférait prendre Sûr. une équipe comme Conas qui a que des DNF au bout de deux étapes plutôt que des DN1, et sans explication d'ailleurs. Ouais, nous, c'est ce qu'on nous a réfléchi. Mais quand je prends l'exemple, une course que j'aime beaucoup parce qu'elle est chez moi et que, effectivement, moi, j'y ai toujours vu des belles choses. Moi, quand j'y ai participé au Tour de Bretagne, quand j'y participais avec mon équipe Supersport, j'ai eu des Pierre Hollande et Julien Simon. Je peux vous assurer qu'ils ont été transparents. Mais ils se sont battus, ils ont découvert quelque chose, ça leur a appris, ils ont fait une carrière derrière. Alors ça, ils vont être les premiers à mettre ça en valeur. Sauf que pour y aller, ben, il fallait s'accrocher les bretelles. L'année prochaine, c'est plus les 5 DN1 bretonnes, ça va être les 3 au classement, machin, si vous voulez. Mais pour prendre qui à la place, sachant que l'année dernière, c'est quand même les DN1 qui ont quasiment trusté toutes les victoires d'étape et de nombreuses places dans les 10 premiers. Donc moi, encore une fois, et là, on est en train de détruire quelque chose. Et encore une fois, je suis pas Madame Soleil, mais je le prédis vraiment négativement à terme. Parce que, ok, il y a peut-être trop de DNA aujourd'hui en France par rapport au niveau réel demandé, et c'est un autre débat. Mais en attendant, si on n'a plus accès à ces épreuves-là chez nous, pour mettre effectivement, comme tu viens de le dire, des équipes tempêtes continentales, c'est assez dramatique. Le budget de la Devo, l'Autodestiny, c'est le même que ce Jassin Espoir, hein. Sauf qu'eux, ils sont continentales. Faut le savoir, cela. Donc, on change pas les noms, on change les noms, mais au final, alors, il y a un réservoir qui est peut-être plus important, il y a un passé qui existe, mais les exigences aujourd'hui et le retour sur investissement pour les épreuves de DN1, il est absolument irrationnel par rapport à ce qu'on peut donner aux sponsors. Donc, enfin, pour moi, c'est compliqué. L'avenir est compliqué. Et si les collectivités, tout le monde le sait, diminuent fortement leur contribution, parce que beaucoup de DN1 aujourd'hui sont soutenus par les collectivités, ce qui n'est pas le cas forcément chez nous en Ille-et-Vilaine, par exemple, mais beaucoup d'autres le sont, mais aujourd'hui ont toutes diminué la voilure. Donc trouver des partenaires privés pour soutenir ces clubs-là, ça va être des courses en moins, parce que ce n'est pas les contis de formation qui organisent des courses, je suis désolé. C'est souvent des DNA avec des clubs et derrière une structure bénévole qui fait vivre toute la structure toute l'année. Eh bien, tout ça va disparaître. Et encore une fois, on va se réveiller en pleurant. Mais Est-ce il que sera la trop tard. FFC, Stéphane, elle a sa part de responsabilité dans le sens où ils ont l'air, pardon hein, pour eux, mais un peu dépassés par la situation? Voilà. Tout le monde a sa responsabilité. Moi, j'étais à la Fédé pendant 5 ans. J'ai voulu voir un peu ce qui s'y passait. J'ai pas réussi à changer beaucoup de choses. Parce qu'il y a certainement une méconnaissance du terrain. Il y a une défense de certaines choses, parfois, qui n'est pas logique, et puis un abandon de certaines idées qui, à mon avis, mériterait qu'on aille plus loin. Mais la Fédé n'est pas la seule responsable. C'est qu'aujourd'hui, on sait très bien que la Fédé, la Ligue nationale de cyclisme, elle est sous tutelle de la Fédé, mais que ça, c'est dans le texte, mais dans les faits, c'est l'inverse. Donc aujourd'hui, si on voulait vraiment dynamiser le système général du développement et de la formation et de l'accompagnement des jeunes, et qu'on arrête de penser systématiquement à prendre du pognon sans considération d'un constat de terrain, on va y aller hein, dans le mur, hein, c'est comme ça. Les primes de formation aujourd'hui, mais ce qu'on demande, enfin ce que les clubs demandent, ce n'est pas non plus qu'une question de somme, c'est une question de reconnaissance. C'est juste une question de reconnaissance. Et que tout ce qui est fait dans les démarches, par rapport à ce lien qui, à mon avis, devrait être extrêmement comment dire, serré entre la base et le professionnalisme, dès que ce lien a tendance à vouloir se rapprocher, il y a un refus total. Il y a un refus total. Le monde pro ne regarde absolument pas le système amateur. Ça ne les intéresse pas. Ah si, pour prendre un coureur quand il est... Est-ce qu'il y a un Quand il, quand mépris, il... Stéphane? Ah oui, moi je parle de mépris, oui. Total. Soit c'est un mépris, soit c'est une méconnaissance totale de ce qui se passe et du drame qui se joue là. Quand je dis drame, c'est encore une fois, je grossis le trait, mais c'est quand il y a des gens qui s'investissent vraiment, et moi je parle là des bénévoles qu'on a, des gens qui se battent pour trouver des financements, pour organiser, pour accueillir,
à tous les niveaux de ce qui crée notre richesse, cette pyramide large qu'on doit avoir. Si la tête, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui sur le plan politique en France, hein, c'est que quand la tête, comme disait Coluche, hein, il va falloir bien remuer le fond hein, pour que la merde leur monte au nez. Mais le problème, c'est que quand ça va arriver, il va être trop tard. Il va être trop tard. Ça, j'en suis, mais aujourd'hui, on en prend le chemin, mais on est, on a la main sur le klaxon et on fonce dans le mur. Mais voilà, c'est ça que moi qui m'inquiète et qui me soucie. Mais on sent que ça te tient à cœur en tant que formateur, ces questions-là. C'est mon ADN. C'est mon ADN. Moi, j'ai dû, par raison éthique et déontologique, ne plus gérer cette équipe Soja Sun Espoir. C'est mon fils Maxime qui aujourd'hui remplit ce rôle. On est forcément toujours en contact par rapport à cela et en dehors de conseils. Mais il comprend mieux la situation. Il me dit, mais c'est pas possible. Moi, j'ai réussi à faire vivre pendant 19 ans cette structure parce qu'on est des gens sérieux, on a été reconnus par que ce soit au niveau du matériel, que ce soit au niveau des fournisseurs, que ce soit au niveau évidemment des partenaires financiers, d'une manière juste, parce qu'il y a des jeunes qui ont réussi, c'est pas, ouais, il y a 35, 40 gamins qui sont passés chez nous, qui sont passés pro, mais la plus belle réussite pour moi, c'est pas ça. La réussite, c'est ceux qui ont utilisé ce passage chez nous. Pour que ça les aide dans la vie et que derrière ils en ont tiré une valeur ajoutée. C'est tout un ensemble. Donc on a une vraie, pour moi, une vraie utilité sociale. Et aujourd'hui, on a l'impression d'être méprisé. Et moi, je ne parle même pas pour moi, hein, mais je me battrai toujours avec ce discours-là parce que ces gens-là, je pense qu'ils ont oublié d'où ils venaient. Ils ont oublié comment, parce que pour beaucoup, ils ont fait une carrière professionnelle. Aidés certainement par beaucoup de choses, mais en tout cas, ils ont oublié complètement comment ils y sont arrivés, quoi. Et ça, pour moi, c'est édifiant. C'est édifiant. Et voilà, je peux pas avoir, moi, un autre discours que ça, et j'ai peur parce que on va pas tout mettre, tous les meilleurs dans les équipes de réserve. Ça va devenir un combat complètement débile, ça l'est déjà un petit peu. Parce que là, le Tour de Bretagne, j'ai regardé la start list provisoire, j'ai l'impression que c'est un peu le championnat du monde des dévots, quand même. Ouais, mais bon, j'ai envie de dire, ok, mais je demande aussi, encore une fois, de faire une analyse des trois dernières années, où sont les clubs de DN1, attention, hein, dignes de ce nom, hein, où les coureurs ne sont pas... sont pas avec leurs propres roues, avec leur propre vélo, avec à se masser tout seul. Voilà, il y a encore des choses à faire, certainement. Comme je disais tout à l'heure, il y a des équipes de DN1 qui n'ont absolument pas ce mérite de label, mais bon, c'est comme ça. Là, responsabilité de la fédération et des présidents de comité qui siègent à la fédération, qui vont appuyer le dossier. Alors, qu'ils appuient un dossier quand c'est juste OK, mais qu'ils l'appuient quand c'est vraiment complètement... injustifié, moi je trouve ça irresponsable, mais qu'on fasse cet état des lieux par rapport aux résultats qui ont été apportés par les DN1, donc ça prouve qu'on y a quand même du bon travail de fait. Et là, qu'est-ce qui va se passer maintenant comme ils prennent tous maintenant les juniors à leur sortie pour intégrer les Conti, c'est de se dire ça va être la faute des clubs qui s'occupent des juniors, ça va être ça maintenant. C'était les DN1 avant, c'est les juniors. Ce sera les juniors demain. Non, il faut arrêter. Ce sont des gens qui. Vous êtes des professionnels du métier. Nous sommes des professionnels du métier. Prenez un peu de responsabilité sur soit des mauvais choix, soit une mauvaise perception. Ça peut arriver, c'est humain. Mais à un moment donné, il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain. Hein. Avec l'eau du bain, je suis désolé. Mais ça, qu'ils viennent un petit peu s'occuper. Mais le problème, c'est encore une fois, c'est des gens qui n'ont jamais été respirer ce qui se passe en bas. Jamais mis les mains dans le cambouis. Moi, quand j'ai commencé, ça m'est arrivé d'être directeur sportif, de masser les gars derrière et d'aller encore aider le mécanicien à laver les vélos le soir. Mais c'est un plaisir. C'est un plaisir. Faites-le, vous verrez, c'est vachement bien ce que j'ai envie de leur dire. Ah oui, il ne faut pas avoir d'ego. Hein, là, il faut. On retouche ce qu'on a découvert par rapport à d'autres personnes dans notre jeunesse, dans notre début de carrière,
chez les juniors, chez les cadets, chez... Et voilà, c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant. Et puis en plus, vous le faites pour zéro. Ça, c'est encore mieux. Donc, voilà, on a l'impression de vraiment de rendre au vélo ce qu'il nous a apporté. Deux petites questions pour finir, Stéphane, et après, promis, je te libère. J'ai vu deux sorties d'Adam Hansen, le nouveau patron du CPA. Il parlait notamment de la possibilité de geler les temps aux 5 km pour les favoris. Pour moi, enfin bon, je sais pas si je pense que c'est plutôt basé sur une consultation plutôt que de donner ça comme proposition, je l'espère en tout cas, parce que moi j'ai connu à l'époque du dernier kilomètre, on a justement mis les trois pour diminuer ça. Est-ce que ça a eu un effet? Non. Je pense qu'il y a un moment donné, il y a une ligne de départ, il y a une ligne d'arrivée. Il y a des enjeux. Qu'est-ce qui cause les chutes aujourd'hui? Forcément, il y a un état de stress, il y a l'enjeu que représente tel ou tel résultat. Tout le monde est, mais je crois que ça fait partie malheureusement de la compétition. Je pense qu'il faut plutôt travailler sur cet aspect sécuritaire parce qu'aujourd'hui, les coureurs, ce sont des équilibristes. Les conditions de course que je pouvais connaître moi à ma carrière et ce qu'on a aujourd'hui, sincèrement, je suis extrêmement épaté parce que moi, j'ai jamais connu le casque de ma vie, hein, mis à part chez les cadets. Et quand je courais aux Pays-Bas ou en Belgique, j'ai jamais connu le casque. Je ne revendique. Aujourd'hui, je suis pas capable de faire 1 mètre de vélo sans mettre un casque. C'est clair. Mais il y a un urbanisme qui a considérablement évolué. Faire ralentir les véhicules. Aujourd'hui, on est sur un terrain de jeu à l'entraînement aussi avec d'autres pratiquants que sont les automobilistes, les motocyclistes et tout ce qu'on veut. Donc il y a des dangers qui s'est accru. Et en course, effectivement, quand on voit encore ce qui s'est passé sur le Pays Basque avec des arrivées, mais complètement, mais on se demande, mais s'ils veulent vraiment pas créer une catastrophe. Moi, là j'ai envie d'interpeller parce que les amendes, elles pleuvent. Dès qu'un coureur, même non identifié, a eu un bidon qui a pu lui échapper ou s'il est monté 3 mètres sur un trottoir, ça, il n'y a aucune hésitation. Par contre, je ne vois pas où intervient la remise en question d'un statut de course quand justement on a ce genre de situation et elles sont hyper fréquentes. Oui, parce que cette Hyper. arrivée en décembre, Stéphane, autour des Pays Basques, elle est folle. C'est pas possible, normalement. Ah, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Je ne peux pas imaginer. Je veux dire, si à un moment donné, on tolère cela par rapport aux démarches organisatrices, mais on peut tout se permettre. Moi, je vois, par exemple, mon épouse est directrice de course à travers les Flandres féminins. Ils ont eu un mal de chien à valider leur parcours parce qu'effectivement, pour des raisons d'hospitalité, on traversait une partie de champ de... Enfin, c'est pas un champ de course de chevaux, mais... Bon, il y avait une zone bitumée, tout ça, c'est vrai que c'était un peu. Mais quand je vois les problématiques que je peux entendre, les critiques ou du moins l'hésitation du CI de valider ce parcours par rapport à ce passage devant les tribunes d'hospitalité qui étaient dans un vase clos et que pas évident, je peux les entendre. Mais quand je vois ce genre de critiques par rapport à ce qu'on a pu voir au Pays Basque, je dis, mais ce n'est pas les mêmes personnes, c'est pas possible là. Comment c'est possible qu'on ait validé ça? Là, on était à 1 milliard de kilomètres du même danger par rapport à ces deux choses, où on a tiqué sur plein de choses, ça a été hyper long d'avoir la validation du parcours, par contre, on a autorisé un truc complètement débile. Et puis encore de la chance, il ne pleuvait pas, parce que s'il avait plu dans cette descente du Pays Basque, ça aurait été un carnage C'est pas la complet. première fois. Le problème, c'est que ça peut arriver une fois. Enfin, je veux dire, voilà. Mais c'est récurrent quand même. C'est quand même récurrent. Donc, voilà. Dernière question pour finir, puis après je te libère. Dernière proposition d'Adam Hansen, donc, qui avait filé un questionnaire, je crois, coureur ou je sais pas quoi. Des cartons, un système de cartons. Qu'est-ce que tu en penses pour les coureurs en cas d'infraction, carton jaune, carton rouge? Ben ouais, il va falloir doubler le nombre de commissaires, à mon sens. Et le nombre d'amendes ou pas, du coup? Probablement aussi. Non, mais c'est un système très Fausse bonne lucratif. idée, non? Ouais, carton, oui. Après, c'est la mise en place encore de tout ça. Et encore une fois, moi, c'est l'équité qui m'interpelle. C'est toujours l'équité. Voilà. On est tout de suite prêt à sanctionner les coureurs. On l'est beaucoup moins quand ça touche. Je parlais tout à l'heure de Montserré, par exemple.
il n'y aura pas de conséquences pour le commissaire. Voilà, il sera peut-être privé de course pendant deux week-ends, j'en sais rien. Mais il n'y aura pas de, il y aura pas de. Enfin, voilà, le fautif, c'est l'autre, mais qui, on ne sait pas. Donc, voilà, et à partir de là, oui, on peut mettre des cartons si ça l'amuse, mais Ça a l'air d'être désolé, non? bah, je vois, ouais, c'est Yaka Faucon, et à un moment donné, il y a des règles. Donc, appliquons déjà les règlements tels qu'ils sont stipulés, qu'on les explique si jamais c'est mal compris, mais qu'on ne parte pas dans dans des redites ou dans des rajouts qui, à mon avis, complexifient beaucoup la compréhension de plein de choses. Voilà, y a eu plein de cas. On parlait dernièrement avec un autre directeur sportif d'une équipe. On évoquait justement ce passage sur les trottoirs et il me citait une course où justement, échappé, on avait du Sagan à l'époque qui était à son plus haut niveau. Et il m'avait cité Sagan, mais il n'était pas le seul. Il y avait, je crois qu'il y avait Dumoulin, enfin bref, qui sont passés sur le trottoir, vus à la télé partout et on n'a rien dit, alors que c'est tout de suite exclusion, du moins ça l'était à l'époque. Et dans le courant dans le courant de comment de la semaine ou notre course, où là c'est un plus petit coureur moins notable qui lui par contre a été suivi tout de suite. Si on veut faire marquer la donc si on respecte la règle telle qu'elle est écrite, on disqualifie même si c'est des grands noms, ça se passera qu'une fois, hein. Je vous garantis, hein. C'est l'application stricte des choses, c'est tout. Il y a des règles, elles ne sont pas faites pour les chiens et elles sont là pour être appliquées et non pas pour un tel ou un tel parce que ça ne gêne personne, j'ai envie de dire. Personne ne va lever le doigt pour le défendre que si c'est que si c'est un grand nom et que là on passe crème, quoi. Enfin, moi, c'est ma propre chose. Encore une fois, c'est le cadre, hein. On est dans le cadre, il n'y a pas de problème. Tu sors du cadre, bah, tu es sanctionné, basta. C'est comme ça, tu les connaissais les règles. Tu viens pas te plaindre. Moi, j'ai cette analyse-là. Après, encore une fois, c'est des propositions, elles méritent d'être écoutées, peut-être étudiées si jamais elles sont pertinentes, mais qu'est-ce qu'on fait déjà par rapport à ce qui existe pour que ce soit appliqué correctement et équitablement? Ce serait ça ma proposition déjà. Ah, peut-être Pourquoi que on les les applique? questionnaires, ça permet de valider les déplacements, au moins. Il y a quelque chose qui est fait avec l'argent utilisé. Bref, je m'égare. Pour conclure, Stéphane, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année, pour toi et la Loto Destiny? Bah, prendre autant de plaisir que j'ai pu prendre déjà depuis 4 mois. Je suis vraiment heureux déjà de l'accueil que j'ai pu avoir dans la structure, de l'écoute. Voilà, je pense qu'il y a un sens des responsabilités aujourd'hui qui est vraiment développé. C'est vrai que ouais, j'ai vraiment insisté sur l'expertise de tout à chacun, chacun à son poste, et qu'à partir du moment où voilà, on y est là, c'est pour exercer sa propre liberté d'action. Avec les règles, encore une fois, et le cadre qui est défini dans l'équipe, mais je ne suis pas là pour être maître d'école derrière avec la baguette, pour dire à l'un ou à l'autre de faire ce qu'il a à faire. Donc aujourd'hui, je suis pleinement satisfait, en tout cas, de cette prise de conscience et en tout cas des responsabilités que chacun fait preuve. Et puis, ouais, un maximum de réussite et de victoire et d'émotions comme j'ai pu en avoir. Moins bonnes, effectivement, ça, vendredi soir, pour pas vous le cacher, mais parce que c'est la première fois de ma carrière j'étais confronté à ce genre de situation. Donc, c'est pas forcément agréable, même si, encore une fois, j'ai le soutien, je soutiens l'énerte. Et voilà, mais bon, globalement, non, faire grandir l'équipe et puis ouais, rester dans cette bonne spirale et ce bon vibe qu'on a dans l'équipe. Mais il me reste à te remercier. J'ai lu que tu parlais pas beaucoup. C'est quoi? C'est une légende urbaine, ça, du coup? Ça fait 1 heure et demie qu'on t'écoute. Ah ouais, bah oui, parce que je vois personne, j'ai l'impression de parler à moi-même peut-être. C'est peut-être ça. Bah, écoute, merci beaucoup, Stéphane. Merci à tous d'avoir été sur le chat. Et puis, bah, bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne fin de journée.